Tu veux m'adopter, Miss? Ou toi, monsieur? Dépêche, les flics sont à nos trousses. On doit être plus malin qu'eux. Réfléchis, Pranker, réfléchis. Je suis un génie. Va juste falloir changer un peu de look. Génial. Maintenant, on ne nous reconnaîtra pas. Mais... joue le jeu, gamine. D'accord. C'est pas possible. Où ils se sont enfuis? Merci pour votre aide. Ouf, je crois qu'on lui a échappé. Top là. On forme une super équipe. On a touché le jackpot. Oh, la pauvre. C'est une orpheline. Sois pas triste. On va être tes nouveaux parents à partir de maintenant. Est-ce que c'est un rêve? Bienvenue dans notre humble demeure. Où est mon lit? Eh bien... le voilà. Juste devant toi. Quoi? Sérieux? Oui, vas-y, peureuse. Je me sens pas très à l'aise ici. Un rat! Je veux pas! Je veux pas! Allez! Ha ha! J'ai une idée! Et c'est de la bombe! Préparez-vous au gros boom! Waouh! Ça a marché! Super! Profite bien, bébé! C'est la chambre de Kim! C'est trop cool! Ça, c'est notre fille. Bien que... pas vraiment. Qu'est-ce qui va pas? Donne-moi ça. Il est temps que tu changes de style. Waouh, ça me plaît bien. Mais... on n'a pas besoin de ces manches. Oh, c'est vrai. On va ajouter quelques accessoires sympas aussi. Et voilà. Maintenant, c'est notre fille. Oh, j'ai faim. De bons légumes cuits à la vapeur. Berk, je déteste le brocoli. Quel dommage. Tu t'es vraiment fait avoir, hein? Cette blague a trop bien marché. Tiens, ta récompense. Oh, toutes ces cochonneries. Bon appétit. Oh, j'ai mal au ventre. Ah, c'est le moment de braquer une banque. Ouais! T'es sérieuse? On va trouver quelque chose de plus sympa. Un lance-pierre, parfait! C'est parti! La banque va pas se braquer toute seule. On a très peu de temps. C'est la police! Faut qu'on se tire! Je crois qu'ils se sont enfuis. Par là! Ouais! On est riche! On est incroyablement riche! Joyeux anniversaire, notre fille adorée! Ouais! On a un cadeau pour toi. Recherché pour 10 000 dollars. Ça, c'est une sacrée surprise. Mais c'est pas tout. Regarde par ici. Une invitation à l'université des super-héros. Je sais pas quoi dire. Je suis trop contente. On est trop fiers de toi, ma chérie. Bonne chance. Ils grandissent tellement vite. Ça a l'air sympa ici. Salut, je suis Ladybug. Si on était copines. Ouais, je sais pas trop. Tu veux voir un truc marrant? Regarde ça. Oups, trop cringe. Tadam! Un piège à doigts. C'est pas génial? Si, carrément. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Je vois. Oh, salut les filles. Salut, bad boy. Pas bad boy, Quoi? C'est ta place? Bonjour, la classe. Vous êtes prêts pour le cours? Titi, je m'appelle Monsieur Spider-Boy. Oh, je crois que personne m'écoute. Dans ce cas, je vous confisque tous vos téléphones. Pas de téléphone portable pendant les cours. Et voici votre premier devoir. Une bombe? Vous êtes sérieux? Le temps commence maintenant. Votre travail consiste à désamorcer la bombe. Celui-là? Non, non, celui-là. Oh, je sais pas. Waouh, waouh. Ça va, Ladybug? Non. Ça craint. Voyons voir. Ha ha. Il faut couper le fil rouge.
Ouais! Je sais pas. Va pour le bleu. Attends, c'est pas le bon. What? On doit couper le rouge. Ouf! Merci, pas de problème. Bon travail, les enfants. Et voici votre deuxième devoir. Laissez-moi faire. Ha! Génial! Maintenant, à mon tour, pousse-toi. Regarde où tu vises. Oh, c'était bon. Laisse-moi t'aider. C'est plus simple de viser comme ça. Et maintenant, lâche. Oh, cool! Oups, je pense que je devrais filer maintenant. Merci pour ton aide. C'est un plaisir de t'aider. Il n'y a pas de quoi. Bon, ok. Je crois que c'est à toi. Merci de m'avoir accompagné chez moi. Tu sais, Kim, pas ça. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Là, ça va pas aller du tout. Plus que tout, on déteste Bad Boy. Chope le pudding. Réfléchis, Kim, réfléchis. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Souris, ok? Oh, voilà notre petite fille. C'est qui cet homme mystérieux? Voici mon copain, Bat... Ben, juste Ben. Bon, on devrait y aller. Bye, Ben. Je comprends pas. Les mains en l'air. C'est un vol. Psst, la voie est libre. Ok, on te suggère de coopérer avec nous. Oui, bien sûr, tout ce que tu dis, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Tu ferais mieux de prendre tes jambes à ton cou. Allez, allez! Hé, hey, vous, stop! Bad Boy? Oh non! What? Quoi? Prends ça! Oh! Pas ça! C'était une grosse erreur. Ah oui? J'ai pas terminé. Pourquoi ça tire pas? Franker! Qu'est-ce qui se passe? Bad Boy! T'es pas le bienvenu ici. Va-t'en. Non, non, non. Ça va pas le faire du tout. Oh. Allez, chérie. Ah, on doit filer. Bad Boy, je suis vraiment désolée. What? Cette journée a vraiment été horrible. Demain, ce sera mieux, j'imagine. C'est quoi ce bruit? What? Je crois que ça vient de dehors. Quoi? Salut, Kim, c'est moi. Mes parents vont t'entendre. Allez, monte. Ok. D'accord. Bad Boy, je suis tellement contente de te voir. Laisse-moi voir cette égratignure. Non, c'est rien. Toc, toc, chérie, on peut entrer? On va avoir des ennuis. On t'a apporté un soda. Oh, tu es là aussi? Oui, Ben est venu me rendre visite. C'est trop mignon. Tu veux un hamburger? Fais-toi plaisir, mon pote. Merci. Qu'est-ce que tu as sur la joue? Ça? C'est rien, rien du tout. Ton visage me dit vraiment quelque chose. Quoi? Prends ça! Oh, c'est Bad Boy. Eh bien, Ben doit rentrer chez lui maintenant. Mais Kim, je t'expliquerai plus tard. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe avec vous deux? Franker, tu pensais vraiment qu'on comprendrait pas? T'as pas le droit de sortir avec Bad Boy. Quoi? Non, vous pouvez pas faire ça. Réfléchis à ton comportement. Oh, je peux pas l'avoir pleuré. Ah, Bad Boy? On ne peut plus être ensemble. Hé, hey, Kim, hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. What? Je suis désolée, Bad Boy. Tu me manques tellement.
Oh, je sais quoi faire. Hey, Kim. Dépêche-toi. Réveille-toi, Kim. Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Hein? Qu'est-ce que c'est? Il y a écrit « On a votre fille. La rançon est $1 million. » Quoi? Non! C'est quoi tout ce bruit? Où est Kim? Là, regardez! Elle a été kidnappée. Vite, on doit la sauver. Bon, on y est. Cet endroit est flippant. C'est notre fille. Maman, papa, vous avez apporté l'argent? Oui, monsieur. Tiens, prends-le. Parfait. Coucou. Oh oh. Quoi? J'ai rien fait? J'y crois pas. C'est Ladybug. What? Où est le kidnappeur? What? Comment t'as pu faire ça? Quelqu'un peut me dire où est passé le kidnappeur? Kim, s'il te plaît, dis-leur la vérité. Quelle vérité? Stop! J'ai pas été honnête avec toi. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous m'y avez forcé. J'ai imaginé ce plan d'enlèvement. Pour vous donner une leçon. Je pensais que mes parents allaient venir me sauver. Et le méchant rigolerait. C'est alors que Bad Boy serait sorti de nulle part. Et le méchant aurait eu peur. Et j'aurais été héroïquement sauvée. On aurait fêté ça. Et on aurait oublié cette querelle. Ce serait tellement merveilleux. Alors, vous en dites quoi? Nous, avec lui, c'est un loser. Pas question. What? Moi, je suis un loser. Regardez-vous. Oh, oh, c'est ça, ouais, monsieur Cool. Hein. Oh, non. Mon plan a pas marché. Une réalité parallèle? Pourquoi pas? Ah, au secours! C'est un atterrissage en douceur. Où je suis? Maman, papa, vous êtes là? Eh, Barbie, est-ce que ça va? Salut, Ken, tu m'entends? Hey! Ça va être un défi compliqué. Comment je vais les réveiller? J'ai une idée. Bougez pas, les gars. Je vais vous remettre sur pied. Bonjour, tout le monde. Maman, à ton tour. Hey. Je vous ai manqué. Bonjour, Barbie. Bonjour, Ken. Bonjour, Kim. Je suis votre fille. Enchantée de vous rencontrer. La beauté, c'est très important. Il est temps de te transformer en vraie poupée. D'abord, on va te débarrasser de toutes ces choses inutiles. Fastoche. J'adore. Mais on n'a pas encore fini. Chérie, tu as oublié quelque chose. Oui, merci chérie. C'est la magie de Barbie. Prends-en de la graine, Kim. On va enlever tous ces maquillages horribles. Un peu de mousse et le tour est joué. Et maintenant, la partie la plus amusante, le maquillage. Du glace corail sur les lèvres et du fard à paupières roses sur les paupières. C'est trop joli, pas vrai? Kim, essaie ça tout de suite. J'ai de nouveau moi-même. Merci, maman. Ça te dirait une nouvelle tenue? Chichi, waouh, c'est hyper tendance. Et c'est la chérie. Tu as l'air d'être tellement en plastique. Maman, papa, vous êtes les meilleurs. On va ajouter quelques jolis accessoires à ton look. C'est pas trop joli? Les gâteaux, c'est ce qu'il y a de meilleur pour un repas. Maman, t'es un génie. Bon appétit, chérie. Goûte donc, tu vas adorer. T'es sûre? Bon bah, je vais essayer. Attends, mais c'est... C'est pas un vrai déjeuner, c'est du faux. Et maintenant, la fête de Barbie. Wouh! La piste de danse est à nous. La famille, répétez après moi. Et
demain, ce sera à nouveau la meilleure journée de tous les temps. Ça me semble plutôt cool. Mais on est obligé de dormir dans des boîtes. Enfin, bonjour la famille. Encore un petit déjeuner en plastique. C'est vrai, la danse, très amusant. Je peux avoir un lit douillet au lieu d'une boîte. Hé, hey, maman, papa, bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On organise encore une fête, vraiment. Je ferais mieux de retourner dans ma boîte. Bonjour ma chérie. Un petit déjeuner en famille, que demandez-vous? Stop, je veux une vraie vie, pas une vie en plastique. Chérie, du calme, on va faire la fête. J'en ai marre de tout ça, je vais me trouver d'autres parents. J'ai hâte de rencontrer notre fille. Me voilà, Ladybug, chat noir, je suis votre plus grande fan. Chichi, waouh, il est là. Le yo-yo légendaire. Le bâton du chat noir. Pou, pou. Wow. Chérie, c'est pas des jouets. On a quelque chose de mieux pour toi. Quel charme tu veux choisir? Bien, celui-ci. Comment ça marche? Tu vas bientôt le découvrir. Wow. Je vais voler comme un papillon et piquer comme une abeille. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble pas à une super arme. Et si je l'essayais? Oh, ça va pas du tout. What? Oh, t'as raison. Oh, papa, est-ce que tu vas bien? Je crois que oui. Wow. Ma fille, t'es une vraie héroïne. Qu'est-ce qui se passe? Papillon, je vais l'attraper. Suivez-moi. Arrête, t'es trop petite pour sauver le monde. Mais c'est pas juste. Attends-nous à la maison. Oh, maman, papa. Les héros ont encore sauvé Wow City. C'est notre travail. Maman, papa, vous êtes les plus courageux. Chérie, t'as vu ce qu'on a fait? Vous m'avez manqué. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bébé, on doit y aller. Mais j'ai faim. Chérie, les chips, c'est très bon, tu sais. T'es sûre? Okay. Maman, papa, on joue, on va s'amuser. Tu me battras pas. Ceci n'est pas un exercice. On doit filer, vite. Quoi? Et moi alors? Maman, papa, regardez ce que j'ai dessiné. C'est notre famille. Wow, quel talent. Mais maintenant, la ville est en danger. Oh non, on n'est pas une vraie famille. Les gars, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais rester avec Ladybug et Chat Noir? Ou trouver d'autres parents? Vous avez raison. Ce rôle de super-héroïne, c'est terminé. Ladybug, Chat Noir, au revoir. Bébé, t'arrives pile à temps. Bienvenue au fond de l'océan. Hey. Kim, qu'est-ce qui va pas? Oh oui, comment j'ai pu oublier? Mais c'est ça. Ouf. Bon, on va s'en occuper maintenant. C'est bon, tu vas être comme maman. C'est parfait. Bébé, voici ton royaume sous-marin. Mais je crois qu'il me manque une queue de poisson. Maman, je peux en avoir une aussi. On va utiliser la recette secrète d'Ursula. Ok, faisons la potion alors. Pierre magique, je l'ai. Des algues? Les voilà. Venez voir, maman. Il reste plus qu'à ajouter une perle bleue. Chérie, tu veux bien m'aider? Ok. Et où je trouve ça? Oh, t'approches pas de moi. Peut-être là.
ça me plaît pas. Maman, j'arrive pas à... Rouge, jaune, bleu. De quelle perle j'ai besoin déjà? Les gars, aidez-moi. J'ai oublié la chose la plus importante. Quelle perle je dois ajouter à la potion? Dites-le-moi dans les commentaires. C'est ça, une perle bleue. Comment j'ai pu oublier? Maman, je l'ai trouvée. Ma fille, c'est parfait. Notre potion est bientôt prête. Je reviens tout de suite. Maman, tu peux compter sur moi. Chérie, tu seras bientôt une vraie sirène. Yes! Miam, miam, délicieux! Et une autre gorgée. Oups, il y a quelque chose qui va pas. What? Qu'est-ce qui m'arrive? Où est ma queue? Je suis moche! Chérie, on va arranger ça. L'ami, mets-toi au travail. Merci, tu nous as beaucoup aidés. Maman, et le repas alors? J'ai tellement faim. À table, ma chérie. Tu vas adorer, je te le promets. Des verres, pas question. Y a un problème? Ça fera plus pour moi alors. C'est trop bon. Maman, ça va pas le faire, je crois. Bonjour, je m'appelle Kim. Hello. Je suis contente de te voir, ma chérie. Il fait super froid. Je sais ce qu'il te faut, chérie. J'ai la couverture la plus chaude du royaume. Je suis pas vraiment sûre. Je peux manger quelque chose? Excellente idée, Kim. La magie des glaces exauce tous les souhaits. Wow. Le repas est servi. Un burger? Maman, il est congelé. Alors, mets-toi au travail. Si tu le dis. C'est trop compliqué. Faut absolument que je te remonte le moral. J'ai une idée. Maman, qu'est-ce que tu fais? Libérée, délivrée. Une chanson? Mais en quoi ça va nous aider? C'est quoi ça? What? Madame, je crois que t'as sacrément froid. Quel endroit bizarre. Lâche-moi. Pas question, c'est trop dangereux ici pour un enfant. Et voilà, ma chérie. J'ai trouvé personne. Oh, ma pauvre. Les super-héros, c'est pas de bons parents. Au revoir. Oh non, je dois l'aider. On va passer au plan B. Hey. Kim, attends. Je cherche justement une fille. Tu vois? Toi et moi? Oh, yes. Je suis partante. Et tu auras aussi une grande sœur. Waouh, ça m'a l'air génial. J'espère que ma sœur aura pas peur de mes crocs de vampire. Dis-lui bonjour, ma chérie. Voici Kim. Salut Kim, je m'appelle Véronica. Bonjour, Frangine. Pas question. Pitié, renvoyez-la. Pourquoi elle est si méchante? Chérie, sois pas mal polie avec elle. Mais c'est une vampire! Tu dois arrêter de regarder des films d'horreur. Allez, Kim, pourquoi on te montrerait ta chambre? T'auras plus de chance la prochaine fois. Oh non! C'est ici que tu vas rester, Kimmy. T'en penses quoi, chérie? Vraiment? Vous lui donnez ma chambre? On se revoit tous au dîner. Tchihi, je me plais déjà ici. Attends un peu, suceuse de sang. Je vais te faire tout avouer. Qu'est-ce que t'essaies de faire, là? J'ai trouvé. Les vampires sont des monstres terrifiants. Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que tu cherches? Rends-moi ça!
Bien, bien, voyons voir. Les vampires sont des monstres, hein? Les vampires sont des créatures les plus mignonnes du monde. Oh, oh, il se passe quelque chose là-haut. Arrête! Rends-moi ma tablette! Très bien, prends-la, espèce de pleurnicheuse. Oh, oh, tiens, Sorette! Est-ce que tu essaies de me faire porter le chapeau? Kim! Oh, tu vas bien? Je crois que Véronica est devenue folle. Pas du tout. Attends, est-ce que c'est... ma tablette? Oh my God. C'est Kim! J'ai rien fait du tout, c'est ta faute. Bon, je suis perdue là. Est-ce que vous savez qui a détruit ma tablette? Pourquoi vous me le dites pas dans les commentaires? C'était donc toi? Je ferai jamais un truc pareil, papa. Oh, je sais, ma chérie, je sais. C'est toi qui a fait ça? Non! Bon, l'affaire est close. Je te déclare coupable. Tiens, ton amende. Je suis punie? Mais c'est vraiment pas juste. Tihi, ça t'apprendra à te frotter à un vampire, Sorette. Oh, tu vas regretter de m'avoir traitée comme ça. Je sais que mes parents m'aiment plus que toi. Aujourd'hui, il y aura des pâtes pour le repas, ma chérie. Ça a l'air très appétissant. Vas-y, régale-toi alors. T'inquiète pas pour moi, Sorette. Regarde-moi faire. Oh, c'est de l'argent. J'avais donc raison, finalement. Maman, il faut que tu vois ça. Qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Je me sens pas très bien, désolée tout le monde. Tu devrais t'allonger un peu, ma chérie. Papa va bien s'occuper de tes pattes. Oh, ma pauvre enfant. Oh, moi, tu m'auras pas, Kimi. Je devrais aller aider ma petite sœur. Hé hé, on n'a jamais trop de pattes, après tout. T'es là, Frangine? Ça fait trop mal. Mais je vais me guérir rapidement. Hein? Qui est là? Ça devait être mon imagination. Bon, allons-y. Ah, voilà ma clé secrète. Oh oui, viens par ici, mon trésor. Du sang délicieux, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Maman, papa, il faut que vous voyez ça. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Où tu vas, chérie? Hé hé, eh bien, ça fera plus de spaghettis pour moi. Hé, attends-moi. Tu vas pas en croire tes yeux, maman. Mais attends, je viens juste de la voir, elle était... J'étais en train de lire. Chérie, je crois que notre Véronica va vraiment pas bien. Elle cache du sang humain là-dedans. Là, ça devient intéressant. Le sang est juste là. On peut jeter un coup d'œil à l'intérieur, ma chérie? Bien sûr, maman. Je garde mes trésors secrets ici. Oh, c'est tellement mignon. Je te l'avais dit. Alors tu m'as encore piégée, hein, Kim? Espèce de sale petite. Maman, tu vois pas que c'est un vampire? Je peux pas croire que t'as ruiné notre portrait de famille. Pourquoi t'as fait ça? Attends un peu, ma chérie. Comment ma propre sœur peut me détester? Ça va aller, Kimi. Et si je te donnais un petit cadeau? Waouh, c'est pour moi? Une tablette? C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Oh, c'est vraiment pas juste. Les mortels dorment profondément. Ça veut dire qu'il est temps pour les vampires de passer à l'action. Fais de beaux rêves, Frangine. Hein? Qui est là? Qu'est-ce que tu manigances, Kim? Ha ha, je te tiens. J'y crois pas. Elle est tellement assoiffée de sang. Ça, c'est vraiment une bonne façon de commencer la soirée. Je vais enfin pouvoir convaincre papa et maman que Kim est vraiment un vampire. Dis cheese, Kim. Maintenant, faut que je me tire d'ici. C'était quoi ce bruit? Oh, Véronica. Phew, je suis rentrée à la maison. Oh, vous êtes tous debout, hein? Pourquoi t'es sortie si tard dans la nuit, jeune fille? T'aurais dû rester à la maison comme ta sœur, Véronica. Elle était dehors aussi. Moi? Comment t'oses mentir comme ça, Véronica? Mais j'ai des preuves, regardez! C'est un vrai vampire! Mais Frangine, il n'y a rien sur la photo. Attendez, je jure que j'ai pris une photo. Oh, j'arrive pas à y croire. C'est tout simplement inacceptable. T'es punie.
Je vais devoir prendre mon rôle de parent au sérieux. T'es puni. Quoi? T'annules mon anniversaire demain? Là, c'est vraiment trop dur. Oh non! Tu t'es fait avoir, Sœurette. Tchihi! Ok, c'est le moment de t'offrir ton cadeau d'anniversaire. Tu vas adorer. Allez, debout. Qu'est-ce que tu veux? Joyeux anniversaire, Véronica. Oh, c'est trop gentil. Eww! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tu devrais voir ta tête. Oh, tu viens pas de faire ça quand même. Hé, hey, regarde, le temps est pas magnifique aujourd'hui? Tout sauf ça. Ha, ça t'apprendra à me chercher des noises. Michael, surprise! Entre, je suis toute seule. Allez, je vais grimper ta tour. C'est trop cool que tu sois venue. C'est pour toi, mon cœur. Joyeux anniversaire. Tu vas pas le croire, mais ma sœur est un vampire. What? Un vampire? T'es sûre de toi? Elle a des crocs énormes et elle est aussi... Tu es totalement amoureux de moi. Je suis totalement amoureux de toi. Michael, tu te sens bien? C'est pour toi, ma chérie. Mais je pensais que j'étais ta chérie. Ouais, ouais. Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a hypnotisé mon crush. Qu'est-ce qu'il fait là, d'ailleurs? Michael était complètement amoureux de moi. Amoureux de toi, hein? Pas dans ma maison. Allez, papa, calme-toi. Touche plus jamais à mes filles. Compris, mon gars? Mais je voulais juste souhaiter un bon anniversaire à Véronica. Alors reviens l'année prochaine. T'inquiète pas, ma chérie, il t'embêtera plus jamais. Oh, zut! Je me suis fait mal ou quoi? Du sang! Kim, est-ce que ça va? J'ai tellement faim. Je veux dire, ouais, je vais super bien. Ok, regarde par ici une seconde. Et maintenant? Et maintenant? Oh my God! Oh, Véronica, elle doit être un... Un vampire? Oui, je sais. Et j'ai un dernier truc à te montrer. La lumière. Maman! Chérie, on a une mauvaise nouvelle. Kim est un vampire. Je l'ai vu de mes propres yeux. Bien sûr, je sais. On se rend à la fête de vampires ensemble. Quoi? What? C'était l'idée de Kim. Elle a tellement d'imagination. Chérie, tu comprends pas? Oh, vous êtes de vrais peureux tous les deux. Tu vas voir, regarde. Hé, Kim, tu veux un peu de sang? Du sang. C'est vraiment un vampire. S'il te plaît, maman, tu dois nous croire. Allez, ma chérie, arrête de faire l'imbécile. On doit y aller. Oh non, elle va manger ta mère. Bonsoir, mesdames. Tihi, c'est bien ici, la fête des vampires? Entre, maîtresse de la nuit. Cool, merci. Waouh. Hey, et où est mon badge de vampire? T'es bien trop jeune pour être un vampire. Tihi, c'est tellement gentil de ta part. Hey, je suis pas qu'une simple mortelle, je suis une vilaine vampire. Allez, tu bloques la file. T'inquiète pas, Véronica, on va sauver maman. Attraper les méchants, c'est ma vocation après tout. Papa, c'est vraiment toi? Waouh! Tu ressembles à un héros. Ces vampires feraient mieux de... Oups, une seconde. Ils feraient mieux de se méfier. Maintenant, on va passer à la meilleure partie. Prends-en de la graine, ma chérie. Il n'y a rien que les vampires craignent plus que l'argent. Oublie pas l'ail non plus, papa. Les vampires sont mortellement allergiques à ça, tu te souviens? C'est vraiment incroyable. Tu perds rien pour attendre, Kim, sale vampire. On forme une super équipe, ma chérie. Ces fêtes de vampires sont vraiment amusantes. On va danser jusqu'au bout de la nuit. Ok, Véronica, t'es prête?
Carrément, ces vampires n'ont aucune chance. Alors, c'est parti. Il est temps de passer à l'action. Est-ce que c'est une sorte de jeu de soirée? J'aime bien votre façon de faire. Kim, relâche maman immédiatement. Où vous étiez tous les deux? On s'amuse tellement ici. Goûtez un peu mon argent, bande de suceurs de sang. Quoi? Ne venez pas interrompre notre dîner, bande de mortels. Comment ça, dîner? À l'aide? Ok, papa, à moi de jouer maintenant. Prenez ça. Eww, c'est de l'ail? Très bien, mortel, vous êtes foutus. Éloignez vos crocs de nous. Papa, est-ce que ça va? Ah! Et maintenant, à ton tour, ma chérie. Faudra me passer sur le corps. Ah, je suis coincée. Sortez-moi de là. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont toujours été tellement gentils avec moi. Toutes ces berceuses et ces cadeaux et ces câlins. J'ai jamais eu de vraie famille comme eux avant. Je sais ce que je dois faire. On ne bouge plus. C'est mes mortels. Plus maintenant, Kim. Que quelqu'un éteigne la lumière. Oh! T'inquiète pas, ma chérie, on est là pour toi. Suis-moi. Il faut que vous me juriez que vous vous battrez plus jamais. Vous pouvez me le promettre? Je le promets. On fait la paix, Véronica? Ouais, j'ai toujours voulu avoir une petite sœur après tout. Attendez une seconde, je pense que c'est important. Waouh, regardez ça! Ils organisent une fête de super-héros. Oh, c'est dommage que j'ai pas de costume. Je pense pouvoir t'aider. Je garde cette tenue depuis très longtemps. Vas-y, essaye-la. Je suis une héroïne maintenant. Il est temps pour moi d'y aller. La justice triomphera toujours. Non, pas question. Hardy, range-moi tes jouets, s'il te plaît. Bon, tout le monde est là? Attendez, où est Molly? Vous êtes vraiment une rabat-joie. Voilà cette paresseuse. Molly, tu te sens bien? T'as pas l'air en forme. Je suis juste très affamée. Molly? T'approches pas de moi, sale bête. Alors, qui veut être la prochaine? Hey, Molly, t'as fini tes devoirs pour aujourd'hui? Suivez-moi! Courez! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dépêchez-vous, les filles, il faut faire vite. C'est quoi tout ce bruit? Les filles, pourquoi vous n'êtes pas en classe? Vous devez vous cacher, monsieur le principal. On a affaire à une apocalypse vampire. Une apocalypse vampire? Pas dans mon école. Ha ha, je te tiens. Vite, dans les toilettes. Qui est là? Ah, bienvenue. Mauvaise porte. On doit se tirer d'ici. On va aller dans la bibliothèque. Hey, attendez-moi. Allez, montrez-vous, bande de suceurs de sang. Vous passez une terrible soirée, hein, mesdames? Un vampire, attrapez-la. Qu'est-ce qui vous arrive? T'as pas intérêt de nous mordre. Allez, les filles, aidez-moi. Allez, montre-nous tes crocs, suceuses de sang. Voilà, on va connaître la vérité maintenant. C'est juste mercredi, fidèle à elle-même. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des vampires partout. Ouais, et alors? Du sang. S'il vous plaît, dites à mon pudding que je l'aime. Bestie, non, tu dois te battre. Je m'en occupe. Lâche-moi. Du sang. Je vais te mettre au régime. J'ai soif de sang. C'en est assez. On va faire une petite expérience. Dracula! Je m'en doutais. Les vampires redoutent l'électricité. On a gagné! Je savais qu'on s'en sortirait. Regardez là-dehors! Aujourd'hui, toutes les rues ont été envahies par des vampires assoiffés de sang. Fuyez! Cachez-vous! Sauf qui peut! Je veux votre sang. Ah, on est fichu. Je crois savoir exactement quoi faire. Vous allez adorer cette idée. On va faire exploser notre problème. Pas question, Hardy. Notre école doit rester debout.
Oh, à moi. Attends, bouge plus. Ouf. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Hé, les filles, regardez ce que j'ai trouvé. Attends, c'est... Eh ouais! C'est un antidote contre le vampirisme. C'est notre chance de gagner. Mais comment on doit procéder? Avec de l'argent, bien sûr. Hé! Hey, et pourquoi pas des pieds en bois? Hé hé! Laisse-moi m'occuper du reste, Ladybug. Les vampires, où êtes-vous? T'as réussi, Hardy. Mais où on va trouver de l'argent? C'est exactement un travail pour une sorcière comme moi. On trouvera de l'argent dans le Hall of Fame de notre école. Tu t'es endormie, bestie? On doit se dépêcher. Le sort de l'humanité est en jeu. Allez, Kitty, viens nous aider à trouver de l'ail. Et c'est pas traîner, d'accord? On y est. Voilà l'argent qu'on cherche. Alors, c'est parti. Regarde. On doit y aller. Eww, quelle horreur. Au secours. Que quelqu'un nous aide. Heureux de te voir, Spidey. Salut, mesdames. Oh, on est pris au piège. Ok, les gars, on a vraiment besoin de votre aide. Appelez mon pote la chose dans les commentaires, s'il vous plaît. Vous êtes fichus. Oh, t'arrives pile à temps, mon pote. Hein? Ah! Ouais, ça a marché, bestie. Oh, vous êtes sûr de ça? Tu t'en tireras pas comme ça. Laisse-moi faire, Hardy. Allez, dépêche-toi de m'aider. Oh, vous avez l'air si appétissantes, toutes les deux. C'est parti. Bye bye, Spidey. C'était trop cool. Et on a notre argent. Maintenant, on doit sortir d'ici. Hey, la voie est libre. Suis-moi. Cet endroit fait trop flipper. On va s'en sortir, Hardy. Mais te mets pas en travers de mon chemin, d'accord? Arrête de pousser. Je crois qu'il y a quelqu'un. On doit filer. T'approches pas de moi, sale monstre. J'aurais pas dû t'emmener dans cette mission. On est où maintenant? La voie est libre. Kitty, arrête. On a une mission à accomplir. Oh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Je sais. Suis-moi, bestie. Ah, au secours! Ladybug, à la rescousse! Je crois que c'est... du sang. Qui est là? Sors de là et affronte-nous, bande d'assassins. Pikachu, c'est toi? T'inquiète pas, Ladybug, je te couvre. On pourrait peut-être manger un bout, nous aussi. Kapika! Les filles, ça suffit. C'est pas le moment de se battre. Pikachu, il nous faut de l'ail. C'est une question de vie ou de mort. Pika, pika. Tu connais d'autres mots, toi? Donne-moi ça, Kitty. Regarde, j'ai à manger. Pika, pika. Pika, pika. Pika, pika. Tu peux te dépêcher un peu, peut-être? Pika, pika. Nickel. Maintenant, passe-nous l'ail. Pika. Ah, délicieux. Pika. T'es une vraie héroïne, bestie. Mais, on ferait mieux d'y aller maintenant. Pika. Hé, hey, la nourriture est pas censée parler. Ok. Allez, Kitty, traîne pas. Aïe. Kitty, attention à tes griffes. Ouah, on a réussi. Tihi, il est temps pour l'incroyable Kitty de faire son truc. Prenez-en de la graine, les filles. T'approches pas de moi. Je crois que c'est à moi. Alors, je suis pas une superstar? Si, carrément. La chasse est ouverte.
T'approche pas de moi. On dirait bien que vous êtes fichu. Hein? Hé, hey, lâche-moi. Repose-moi. Mais quittez, toi. On est sauvés. C'est ma salle de sport, compris, l'ami? Pas besoin de me remercier, mesdames. Waouh, t'es un vrai héros, monsieur. Eh bien, être un héros, c'est mon travail. Félicitations. Sois pas bête, Kitty. On a besoin de ce trophée. Haha, je suis génial, hein? C'est pour toi, mon pote. Et maintenant, à votre tour. Oh, quelle poule mouillée. Phew, je pense qu'on lui a échappé. Attendez. T'es ici? Elle aussi? Mais où est Kitty? Je sens sa présence. Pouf! J'ai réussi. Ah, te voilà. Qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais vu un chat faire ses besoins avant? C'est trop, même pour moi. Oh, regardez ce qu'elle a fait. Je suis là, tout le monde. Y a quelqu'un? Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. Encore une trahison. Attention, bestie. On restera ensemble pour toujours maintenant. Non, pas tant que je serai là. J'ai une meilleure idée, mercredi. C'est ma spécialité. Alors, tout le monde est réuni, on dirait, hein? Dans ce cas, que la fête commence. C'est pas fini, Ladybug, on reviendra. Vous n'avez aucune chance, de toute façon. Allez, c'est le moment. Tihi, c'est tellement excitant. Pieu, j'ai, aïe, j'ai. Mais où est l'argent? Oh, je l'avais remis à Ladybug. Oups. Oh, comment j'ai pu faire ça? J'imagine que tout est foutu, les filles. Non, on peut pas laisser les vampires gagner. Bon, très bien, tenez. C'est un cadeau que Pudding m'a offert. Maintenant, on peut passer à l'action. Tihi! On ajoute une pincée d'ail et on remue bien avec le piquet. Waouh! On dirait que ça marche. Hey, notre antidote est prêt. Oh oh! Qu'est-ce qui se passe? Une embuscade de vampires. Pika pika! Vous nous échapperez pas. Vous approchez pas. Vous avez pas intérêt. Vous aurez pas une seule goutte de mon sang. Bestie, on est sauvés. Mais l'antidote alors? Les filles, c'est notre Ladybug. Elle est partie. Ha! T'en es sûre? Je suis vraiment désolée. Ah! Encore? Allez, c'est maintenant ou jamais. Les filles, vous devriez partir d'ici. Le dîner est servi. Allez-y, régalez-vous. Essayez de pas vous étouffer. Pitié, ne nous abandonne pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bizarre cet arrière-goût. Vous allez regretter de vous être frotté à moi. On est là pour toi, bestie. Tu nous as tous sauvés. Vous voilà, les filles. Vous êtes les meilleures amies au monde. On dirait que la justice a vraiment triomphé aujourd'hui. Aucun vampire ne peut nous battre. Merci d'avoir sauvé le monde. Pika pika! Quoi? Déjà? Ok, chat noir, c'est une urgence.